Mesdames et messieurs, bonjour, cordial, bienvenue. Je me présente, mon nom est Rami Ayoub, je serai votre animateur pour la conférence du Père Bolade intitulée « La résurrection du Christ, mythe ou miracle ». À l'occasion de la fête de Pâques, le petit groupe des amis du Père Bolade a voulu vous présenter un témoignage sur le miracle du feu sacré. Miracle annuel qui se produit à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem lors de la cérémonie du Samedi Saint. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir parmi nous Simon Michael, guide touristique, qui partagera son expérience. La rencontre d'aujourd'hui est enregistrée et diffusée sur YouTube en direct. Elle se déroulera en trois parties pour une durée totale d'une heure et demie. 40 minutes pour la conférence du Père Bolade, 20 minutes pour le témoignage de Simon, une demi-heure pour la séance de questions et de partage, et comme d'habitude, nous prendrons quelques minutes pour les salutations finales. Est-ce que vous souffrez du bouladisme, une nouvelle maladie extrêmement contagieuse et dangereuse, découverte récemment par notre très chère Guylaine? Si vous exhibez un ou plusieurs symptômes tels que la folie, l'ambition, la passion, l'amour, ainsi qu'une envie de changer le monde, je suis navré de vous apprendre que vous êtes atteint par cette maladie incurable qui rendra votre vie plus épanouissante. Nos chercheurs en laboratoire ont pu concocter un nouveau médicament à la fine pointe de la technologie que vous pouvez consommer à modération ou en grande quantité afin d'amplifier de façon exponentielle vos symptômes sans aucun effet secondaire. Un contenu exclusif des retraites
du Père Bolade sera ajouté en ligne régulièrement sur le site des Amis du Père Bolade. Pour commencer, la retraite devient ce que tu es, d'une durée de 4 heures environ, est actuellement disponible. Le lien du site web sera partagé dans la fenêtre de conversation ou de chat. Si jamais vous sentez une envie folle d'aider votre prochain, nous vous invitons à soutenir les œuvres caritatives du Père Bolade en faisant un don. Pour accéder à la retraite, il suffit de vous connecter sur le site web que je partage avec vous à l'instant. Cliquez sur Activité, Retraite et ensuite sélectionnez Deviens ce que tu es. Bien sûr, le tour est joué. Alors, bon remède tout le monde. Je vous rappelle que le recueil des pensées du Père Bolade, La quête du sens, est toujours disponible. Vous pouvez commander votre exemplaire en contactant Michel sur mmacram@videotron.ca. Sans plus tarder, j'aimerais donner la parole au Père Bolade. Merci tout le monde pour votre participation et bonne conférence. Bonjour ou bonsoir à tout le monde à travers la planète. Aujourd'hui, nous avons un thème très important. La résurrection du Christ. Et dans l'annonce, je vous posais la question, c'est un mythe ou un miracle? Et je répondais, ni mythe, ni miracle. Un mythe, c'est à exclure parce que on se demande comment, à partir d'une histoire abracadabrante comme celle de la résurrection du Christ, le christianisme a pu commencer et vivre pendant 2000 ans avec toutes les aléas qu'on lui connaît. Le miracle, je l'exclus. Vous allez me dire, ce n'est pas un miracle, il était mort, il est sorti vivant. La résurrection du Christ n'est pas de l'ordre du miracle. C'est beaucoup plus profond que ça. Vous allez me dire, c'est un peu comme celle de Lazare. Lazare qui est sorti vivant du tombeau au bout de 4 jours. Même pas. Pourquoi? Parce que Lazare, ce n'était pas une résurrection. Hein? C'était une réanimation de cadavre. La réanimation d'un cadavre. Pourquoi? Bien parce que, après être ressuscité, notre ami Lazare est mort. Alors que la résurrection dont nous parlons au sujet du Christ, comme dit saint Paul, le Christ ressuscité ne meurt plus. Ce n'est pas un retour à l'existence terrestre telle qu'il avait vécu. Non, les 33 ans de sa vie sont terminés. Et après sa résurrection, il vit une autre vie. Vous allez me dire, laquelle? Quel genre de vie? Quel genre de corps? Là, je vais vous prononcer un mot qui est la clé de ce que je veux dire ce soir. Le mot mutation. Ou bien un autre mot semblable, métamorphose. Prenez par exemple la chenille qui devient papillon. Il y a mutation de la chenille au papillon. Quel rapport entre les deux? Ben, c'est la même chose, mais complètement transformée. Une transformation en profondeur, radicale. Alors, la mutation suppose un changement qualitatif, un saut qualitatif. Pascal appellera ça un changement d'ordre. C'est-à-dire une nouvelle dimension
de l'être. Imaginez quelqu'un qui ne voit que deux dimensions, et tout à coup, il aperçoit une troisième dimension. Eh bien, la résurrection du Christ, c'est l'irruption. L'irruption du Christ dans cette troisième dimension. Et l'intérêt, justement, c'est que ce passage est le début d'un passage plus radical qui est celui de l'humanité totale à travers lui, par lui, en lui, pour cette même réalité qui est celle de la résurrection. Aujourd'hui, on dit un changement de paradigme. Jean Guiton, le grand philosophe français, a cette phrase que j'ai bien aimée. La première mutation qui a transformé la biosphère en noosphère, la biosphère, c'est la sphère de la vie. Et la noosphère, c'est la sphère de la pensée. Alors, la première mutation qui a transformé la biosphère en noosphère n'est qu'une préparation à une mutation beaucoup plus radicale qui transformerait la noosphère en pneumatosphère. Noosphère, c'est la sphère de l'esprit, et la pneumatosphère, c'est la sphère de... La première, c'est la sphère de la conscience, et la seconde, c'est la sphère de l'esprit. En d'autres termes, la résurrection n'est pas un miracle époustouflant à la James Bond. Imaginez, si le Christ voulait vraiment imposer cette vision, cette croyance en sa résurrection, il aurait été un peu plus intelligent que ça. Au lieu de ressusciter en pleine nuit devant personne, il serait apparu tout à coup devant la foule de Jérusalem rassemblée en disant « C'est moi !» Un peu à la James Bond. « C'est moi, oui, vous m'avez crucifié, mais je suis vivant, j'ai triomphé. » Mais il ne l'a pas fait. Il n'était pas assez intelligent pour le faire. Non, non. Parce que les transformations essentielles se font dans la nuit, dans l'obscurité. Par exemple, l'embryon dans le sein de sa mère, c'est la nuit totale, l'obscurité. Les origines de la vie. On sait que la vie est apparue sur Terre il y a 4 milliards 800 millions d'années. Bon, où? Comment? Jamais on ne le trouvera. C'était secret, discret. Tout ce qui est essentiel se fait dans la nuit, se fait dans l'obscurité. Le mystère des commencements. Rappelez-vous cette phrase. Le mystère des commencements. Et c'est ainsi que c'est dans la nuit que le Christ est sorti. Et si jamais il y avait eu quelqu'un dans la tombe de Jésus, il aurait vu la disparition de son cadavre, mais il n'aurait rien vu. Il n'aurait pas vu le Christ ressuscité. Non, il n'aurait pas vu. Parce qu'il est dans une autre dimension. L'autre dimension suppose un autre regard. C'est un peu comme dans les apparitions de Marie à des bergers ou le Christ à des saints. Ceux qui voient le Christ, ce sont des personnes très spéciales. La foule qui est autour ne voit pas.
Moi-même, j'ai été à Medjugorje et j'ai assisté aux apparitions, si on peut dire, de la Vierge aux enfants. Ils voyaient, mais moi, je ne voyais pas. Je voyais les gestes des enfants, leur mimique synchronisée, mais je ne voyais pas la Vierge, non. Alors, il s'est passé justement un passage de l'histoire à la méta-histoire, de l'histoire à la trans-histoire. Le phénomène de la résurrection du Christ est entre deux domaines, l'histoire que nous connaissons, qu'on peut écrire, qu'on peut voir, et la trans-histoire qu'on ne peut pas écrire et qui est en transparence, en filigrane, derrière l'histoire actuelle, et que certains, qu'on appelle des voyants, des visionnaires, des prophètes, arrivent à voir. Parce qu'ils sont entrés dans cette dimension dont je parle, cette quatrième dimension qui leur permet de voir ce que nous ne voyons pas. C'est pour ça qu'on les appelle des visionnaires. Ils voient. Ils voient, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pas une caméra n'aurait rien pris de la résurrection du Christ au moment où il est ressuscité, où il est passé de la mort à la vie. On aurait simplement constaté la disparition d'un cadavre. Et là, maintenant, je vais vous dire que le Christ ressuscité n'est pas le même que le Christ mort sur la croix. Vous allez me dire, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Alors, c'est quoi? C'est un autre? C'est pas un autre. C'est le même, mais autrement. Pour expliquer ce phénomène, je prendrai une histoire que je raconte quelquefois. J'étais un jour à Paris et on annonçait une pièce de théâtre. Un homme nommé Jésus, d'un certain réalisateur, Robert Hossein, au Palais des Sports. Pour ceux qui connaissent Paris, le Palais des Sports, c'est un peu comme le Palais du Ballon, au Caire ici, quelque chose de circulaire avec la Seine au milieu. Alors on montre le Christ né de Marie dans son atelier de Nazareth, guérissant les malades et les pauvres, condamné à mort, crucifié, et on le met au tombeau. Alors tout le monde est là, et moi le premier, à se dire, ah, on va le voir sortir du tombeau. Il va sortir triomphant du tombeau. Non, il n'est pas sorti. Et à sa place, des gens, des enfants, des adultes, des femmes, des hommes, sont sortis de cette tombe cachée derrière l'écran et se sont installés autour de nous dans les gradins de l'amphithéâtre. Je me suis dit, ça précise, mais c'est génial ça. C'est génial. Ça veut dire que, je vais vous lire ces deux ou trois phrases là. Jésus meurt dans son corps physique pour ressusciter en corps mystique. Le Christ ressuscité, ce n'est pas uniquement le Christ qu'on a connu sur terre, non. Il a emmené dans ses bagages l'humanité entière. Il meurt comme Jésus de Nazareth et ressuscite comme Christ cosmique. Il meurt comme individu et ressuscite comme multitude. C'est le même, mais augmenté de
du cosmos entier, de l'humanité entière, qu'il a intégré en lui et qu'il emmène dans ses bagages, si je puis dire. Et c'est un peu ça le sens de sa vie. Vous voyez, je vais vous montrer une image qui va vous permettre de matérialiser la chose. Vous avez ici, vous la voyez à l'envers, tant pis. Vous avez ici Adam et Ève avec leur pomme, la fameuse pomme qui nous a envoyé au diable. Bref. Et alors, de ce couple initial est né Caïn, Abel, etc. Jusqu'à l'humanité d'aujourd'hui, en 2021, qui est celle-ci. Vous pouvez chercher votre tête. Parmi ces têtes-là, vous la trouverez. Alors, la résurrection du Christ consiste à inverser le processus. Regardez un petit peu. L'humanité jusqu'à Jésus-Christ, qui est la ligne médiane, est en se déploie comme un arbre, et qu'avec la résurrection du Christ, le processus s'inverse. Ça veut dire que, à partir de la résurrection, commence un phénomène d'intégration, d'assimilation, de totalisation, de synthèse, d'unification de l'humanité vers le deuxième Adam. À l'origine, vous avez le premier Adam qui a donné l'humanité que nous connaissons. Il y a au terme ce que Saint Paul appelle le deuxième Adam. Le deuxième Adam était ici sous forme de graines, sous forme de projets, cachés dans le premier, il y avait le second. Et le second, c'est le Christ ressuscité dont nous parlons aujourd'hui. Il était déjà là, au point alpha, et il sera là, au point oméga, pour récapituler le cosmos entier en lui et le faire accéder à la sphère divine. Si vous voulez, la résurrection est le premier pas, le franchissement d'un seuil, ce qu'on appelle en philosophie un seuil, ou une mutation qui inverse le processus de l'évolution. L'évolution se diversifie pour déployer toute sa richesse. Et moi, je suis une part de cette richesse. Et chacun de vous, chacune de vous, est une part de cette richesse. Mais alors, le deuxième Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour moissonner, pour rassembler toute cette richesse déployée dans l'histoire humaine, les cultures, les civilisations, toute la beauté de la nature, toutes les réalisations humaines sont assumées dans ce Christ ressuscité. Et donc, ce qu'on voit dans les apparitions du Christ qui sont relatées dans l'Évangile, ce n'est pas, on ne voit pas l'autre face du Christ, la face
de totalisation. Alors, quand je disais que la résurrection de Lazare n'était pas une vraie résurrection, je voulais dire que Lazare est ressuscité pour mourir à nouveau. Mais le Christ ressuscite, non pas pour une deuxième mort, non, il ne meurt plus, c'est fini. Il entre dans l'autre dimension, dans la sphère de l'éternité, dans la transhistoire. Alors maintenant, pour clarifier un peu ce phénomène de la résurrection, je voulais une chose. Quand est-ce que le Christ est mort? Le vendredi saint, 3h de l'après-midi? Oui. Quand est-ce qu'il est ressuscité? On dirait le troisième jour? Non. Ah, il est ressuscité le vendredi saint à 3h de l'après-midi. Oh, oui. C'est les deux faces d'une même réalité. Vous savez, le taoïsme chinois te dit la vie et la mort, ce n'est pas deux réalités successives. C'est les deux faces de la même réalité. Vu d'un côté, elle s'appelle mort, vu de l'autre côté, elle s'appelle vie. Et donc, le Christ n'est pas ressuscité le troisième jour. Et quand est-ce qu'il est monté au ciel? 40 jours après? Non. Il est monté au ciel le vendredi saint, 3h d'après-midi. Ah. Oui. Et il s'est assis, il est descendu aux enfers le vendredi saint, 3h de l'après-midi. Il est monté au ciel le vendredi saint, 3h de l'après-midi. Et il a envoyé son esprit toujours au même moment. D'ailleurs, dans l'Évangile, on dit que le Christ, sur la croix, rendit l'esprit. Chez Saint Jean, ça a un sens très profond. Il nous a communiqué l'esprit. Il nous a donné l'esprit. Et donc, cette succession d'événements, la mort, la descente aux enfers, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, ne constitue qu'un seul fait, un seul événement, mais tellement dense, tellement riche, tellement plein, que pour que nous puissions le saisir dans sa richesse, le récit le déploie dans une histoire en disant: 3 jours plus tard, il est ressuscité, puis ensuite, 40 jours, il est monté au ciel, et puis... Non, tout ça s'est passé dans un clin d'œil. Quand il rendit l'esprit, tout ça s'est accompli. D'ailleurs, il dit, tout est accompli, lui-même, au moment de rendre l'esprit. Alors, lorsque Christ ressuscite, et qu'on dit, il monte au ciel. Il monte au ciel, ça veut dire quoi? Il monte au ciel, ça veut dire il acquiert le statut divin. Mais il l'avait déjà avant de naître. On dit, c'est l'incarnation, c'est Dieu qui s'incarne. Oui. Oui et non. Oui. Le Christ incarné est né de Marie, c'est Jésus de Nazareth. Et alors, Jésus de Nazareth meurt sur la croix. C'est marqué au sommet de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le Jésus de Nazareth meurt sur la croix. Le roi des Juifs meurt sur la croix. Qu'est-ce qui ressuscite le Christ? Ce n'est pas le même, non. Le Christ ressuscité n'est pas le même que Jésus de Nazareth. Tiens, tiens, tiens.
Alors, il est différent, oui, il est différent. Il est différent. Le Christ ressuscité, c'est Jésus de Nazareth, plus l'humanité. Vous, moi, les Chinois, les Japonais, les Américains, Adam, Ève, toute l'humanité, il l'a prise dans ses bagages, c'est-à-dire dans son corps. Le corps ressuscité du Christ, c'est le corps mystique, c'est le corps total. Jésus meurt comme Jésus de Nazareth, il ressuscite comme Christ cosmique, Christ pantocrator, tel que dessiné dans nos cathédrales, spécialement dans le rite byzantin, puisque nous aurons l'occasion tout à l'heure d'écouter Simon. Sinon, il n'aurait rien fait. Parce que s'il vient pour remonter tel qu'il est venu, à quoi ça nous sert? En quoi ça nous intéresse? La résurrection du Christ nous intéresse parce qu'elle nous concerne, parce qu'en faisant ce mouvement ascensionnel que voici, il emmène avec lui toute l'humanité rassemblée dans son corps. Et c'est là que je vais vous montrer une image que vous connaissez déjà sans doute, parce que je vous l'ai montré plus d'une fois. C'est le fameux corps mystique. Le corps mystique, Jésus meurt dans son corps physique, il ressuscite en corps mystique. Celui qui meurt, c'est le Jésus de Nazareth. Celui qui ressuscite, c'est le Christ total. Moi, je me trouve ici. Vous me voyez? Près de son cœur. Parce que je suis son préféré. Vous savez ça, hein? Bon. En tout cas, chacun peut chercher son visage dans cette image. Nous devenons les cellules de son corps, les membres de son corps. Nous sommes un avec lui. Et c'est pour ça que saint Paul dit dans une de ses épîtres, nous sommes ressuscités avec le Christ. Avec le Christ, nous sommes ressuscités. Parce que, une fois la mutation faite, on sort du temps pour entrer dans un autre temps. On sort de l'histoire pour entrer dans la méta-histoire, dans la trans-histoire. C'est l'autre phase de l'histoire, la véritable phase de l'histoire qui est de l'autre côté du rideau. Et c'est un peu ça la résurrection du Christ. Comme Robert Hossein avait montré dans sa fameuse pièce, cet homme nommé Jésus à Paris, où sort du tombeau des hommes, des hommes, des femmes, des enfants, et se met dans les gradins autour de nous. Le Christ qui ressuscite, ressuscite en multitude. Ce n'est pas l'individu Jésus, non, c'est le Christ total. Et donc, à travers ça, commence l'histoire. L'histoire, la véritable histoire, commence avec la résurrection du Christ, avec le matin de Pâques. C'est pour ça que Pâques est la fête la plus importante que Noël et que n'importe quelle autre fête. Pourquoi c'est la naissance de l'humanité nouvelle, la naissance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle dont parle Isaïe déjà plusieurs siècles avant le Christ et dont parle saint Jean dans son Apocalypse, et je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est ce jour-là, le jour de la résurrection, que a commencé le monde nouveau de demain. Alors, ceci est pour nous un motif d'espérance extraordinaire. Et
À travers ce phénomène de la résurrection, s'ouvre pour l'humanité une source jaillissante de vie et de vie éternelle. C'est exprimé dans l'Eucharistie, le corps du Christ pour la vie éternelle. C'est-à-dire que chaque communion est une manière de nous intégrer, de nous greffer dans le corps total. Pourquoi je dis ceci? Je dis ceci parce que nous ne sommes pas greffés automatiquement, nous sommes greffés par notre consentement. Et les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, c'est le consentement de l'homme à être assimilé par le Christ, à être assumé par le Christ. Il faut qu'il dise oui, il faut qu'il dise d'accord. Et donc, la période de l'histoire dans laquelle nous sommes, c'est la lente intégration de l'humanité dans ce corps mystique qui a commencé de naître le jour de la résurrection. Et il y a un phénomène que je n'ai pas encore mentionné, ou à peine, c'est que toute l'humanité d'avant Jésus-Christ, toute l'humanité d'avant Jésus-Christ, est-elle hors jeu, en dehors, ou a-t-elle une passe, une part? C'est là que une des phrases du credo, il est descendu aux enfers, s'explique complètement. Les enfers, c'est pas l'enfer. Les enfers, c'est le séjour des morts. Ou dans la conception ancienne, les morts descendaient dans un lieu plus ou moins obscur, fantomatique. Et le Christ, en ressuscitant, il les tire de l'enfer, c'est-à-dire de l'humanité qui est morte avant le Christ et qui a choisi le Christ par sa fidélité, son amour, sa droiture. On le voit dans les icônes byzantines, puisque nous aurons tout à l'heure ce phénomène du feu sacré. On le voit tirer une par une les personnes qui sont encore dans les enfers, ou ce qu'on appelle l'Hadès, aussi en grec. Alors, en d'autres termes, toute l'humanité qui a précédé le Christ et toute l'humanité qui suit le Christ, à laquelle nous faisons partie, est intégrée, est en train d'être intégrée. Et ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que l'histoire n'est pas finie. Nous sommes encore dans le processus qui se poursuit à travers nous. Et quand on arrivera à ce que saint Paul appelle la plénitude du corps du Christ, quand il arrivera à sa plénitude, on aura à ce moment-là le point oméga dont parle Teilhard de Chardin, qui est le commandement de l'histoire et qui est ce qu'on appelle la résurrection des morts, le jugement dernier, etc. Et tout ça, c'est à venir. Et on ne sait pas quand ça viendra, parce que le Christ lui-même nous dit, nul ne le sait, nul ne le sait. Pourquoi on ne sait pas? Parce que ça dépend de notre liberté, de notre volonté, de notre choix. Et donc, la fin de l'histoire qui est à venir, qui est l'accomplissement de la résurrection du Christ, dépend de nous, de chacun de nous. Ce qui donne un sérieux extraordinaire à notre vie, à notre engagement, aux événements. Pourquoi je m'intéresse tellement à l'actualité? Parce que je vois à travers cette actualité la guerre en Ukraine, les élections, etc. Je vois
travers un fil conducteur qu'est-ce qui est en train de se construire en vue de ce corps total qui se prépare. C'est fascinant. C'est là que la foi nous aide à comprendre l'histoire. La foi, c'est une lumière projetée sur les événements humains, sur notre histoire apparemment séculière, laïque, pour nous dire où va le monde, vers où il tend. Et la résurrection, justement, c'est la réponse. Mais une réponse qui a besoin d'être expliquée, c'est ce que nous sommes en train de faire, justement. La résurrection n'est pas simplement un fait ponctuel, c'est un fait total, global. Et comme je vous disais tout à l'heure, il est ressuscité le vendredi saint, 3 heures. Il est monté au ciel le vendredi saint, 3 heures. Il a envoyé l'Esprit le vendredi saint, 3 heures. Je peux encore ajouter que le point oméga a commencé le vendredi saint, 3 heures. Les cieux nouveaux et la terre nouvelle ont reçu leur chiquenaude initiale à ce moment-là. Et depuis lors, quelque chose se construit. Le royaume de Dieu qui se prépare, que nous construisons et qui se profile à l'horizon. Ce qui donne, comme je le disais tout de suite, à notre vie un sérieux extraordinaire. Parce que nous construisons de l'éternel. Avec le Christ ressuscité, nous construisons quelque chose d'éternel. Ce temple dont il est question, ce temple, c'est le corps du Christ. Il n'y a plus de temple. Avec le Christ ressuscité, le temple est détruit. Et c'est pour ça que quelques années après sa mort, le temple de Jérusalem a été détruit. Et il ne reste que le mur des lamentations, et on pourra se lamenter longtemps, parce que le temple de pierre a disparu, et il disparaîtra pour de bon, remplacé par le temple de chair, dont vous et moi faisons partie, qui sont les pierres vivantes dont parlent saint Paul et saint Pierre, pierres vivantes du temple nouveau. Maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qui me reste comme temps. Je crois que nous arrivons un peu au bout du temps qui m'est imparti. Mais il y a des tas de questions qui seront soulevées tout à l'heure au moment de la discussion. Mais je vous ai donné l'essentiel. Et pour résumer tout ce que j'ai dit, la résurrection de Christ, ou plutôt la mort du Christ, c'est la mort d'une graine jetée dans le sol. Et ce n'est pas ma comparaison à moi, c'est le Christ. Avant de mourir, avant d'être crucifié, il dit, si le grain demeure, si le grain tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. S'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Le Christ, enterré, enseveli dans son tombeau, c'est la graine mise dans le sol. Elle disparaît comme graine. Elle disparaît comme graine pour naître comme quoi? Comme arbre. La graine, c'est pour ça que je vous disais, Jésus de Nazareth a disparu. Il ne nous intéresse plus, sinon comme un souvenir très cher, oui, mais son corps a disparu parce qu'il est remplacé par l'arbre. Et l'arbre, c'est ça, c'est justement ça, c'est l'arbre qui est né de la graine. Et la graine, c'est son corps de Jésus de Nazareth. Et l'arbre, c'est son corps mystique, son corps total, son corps cosmique. Voilà, j'arrête là.
pour laisser la place à Simon. Merci beaucoup et merci à l'équipe. Merci Père Boulat pour cette belle conférence sur la résurrection du Christ. J'aimerais maintenant vous présenter Simon Michael, un ami et guide touristique qui a visité Jérusalem 6 fois. Lors de ses voyages, Simon a assisté à 3 reprises à la célébration du Samedi Saint en l'église du Saint-Sépulcre. Simon nous parlera de l'histoire de l'emplacement et de la construction de l'église, l'histoire du miracle du feu sacré, ainsi qu'un témoignage de ce qu'il a vécu lors des célébrations auxquelles il a assisté. Alors, Simon, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous. Ça fait plaisir de parler à un groupe d'un moment très sacré dans ma vie, qui a été le moment à l'église à Jérusalem. En fait, c'est un voyage assez spécial dont sa beauté démarre déjà dès l'arrivée. Une fois arrivé, vous vous rendez compte que veut dire la Terre Sainte. C'est un sentiment fabuleux. Ça, c'est pour déjà à Tel Aviv. Mais une fois qu'on est à Jérusalem, c'est autre chose. On est sur les pas du Christ. On est sur les lieux où il a marché, où il a souffert, où il a fait plein de choses comme l'Eucharistie. Quand on est à Bethléem, c'est un autre sentiment. Ça, c'est le Christ en tant que fils de l'homme, sa naissance. Et là, vous le voyez comme vous voyez tous vos enfants. Chaque pas qu'on fait dans ce pays est important, car ce sont les lieux où le Christ il a enseigné, où il a fait ses miracles et où il a eu sa résurrection. Une fois arrivé à l'église, et bien sûr, c'est un moment de rêve, car une fois qu'on est là-dedans, on est en train de vivre tous les pas et toutes les démarches de Jésus. On sait très bien qu'il en a eu là-bas, non pas seulement des miracles, mais beaucoup de souffrances de sa part. On connaît bien les 14 étapes que l'Église nomme comme chemin de la croix. Depuis que le Christ il a été avec ses disciples pour le dernier repas, jusqu'au moment où il a été jugé, et là, ensuite, il a porté sa croix et il a été crucifié. Les moments que j'en ai connus, ces jours où j'en étais à Jérusalem, qui sont quand même des moments spéciaux pour le feu sacré, je peux vous compter sur les 6 fois que je suis allé, et il y en a 3 fois où j'ai été dans le lieu où il y a le feu sacré. Moi, je le considère en fait lumière. C'est une lumière que j'ai connue et non pas un feu. Le feu, c'est un peu tard. Bien sûr, c'est un débat entre plusieurs. Serait-il un mythe ou un miracle? Eh bien, je vais vous raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai connu, aussi bien ce qui m'a été raconté et ce qui m'a été dit. Dans un de mes premiers voyages, j'ai voulu y aller. Et là, je découvre que les murs de Jérusalem, comme la porte de Jaffa et autres, ferment déjà depuis très tôt le matin. Et même si on a accès à l'intérieur, on n'a pas accès à l'église de la résurrection. Alors, un de mes premiers voyages, je me suis décidé d'y aller à Bethléem, car j'avais bien su qu'à Bethléem, le pape, le patriarche, y arrive 2 heures plus tard avec le feu sacré pour allumer tous les cierges. Eh bien, 2 heures plus tard, j'étais à l'entrée de l'église de Bethléem pour recevoir ce feu avec mes bougies qui étaient éteintes, avec un ami à moi qui n'était pas croyant. Et moi, je ne m'attendais pas qu'après 2 heures, quand même, elle va avoir quoi que ce soit qui arrive à mes bougies et qu'elles s'éclairent avec une lumière et non pas un feu. Les histoires qui se racontent, c'est toujours que pendant les premières 33 secondes ou pendant les premières 33 minutes, vous en recevez
une lumière et non pas un feu. En fait, quand on y assiste, on va découvrir que ce n'est pas le cas. On va découvrir qu'à la sortie de patriarche, il y en a qui reçoivent le feu sacré en tant qu'un véritable feu qui vous brûle et qui brûle les cheveux. Et pour d'autres, c'est un feu qui éclaire leur visage et c'est une lumière qui illumine la personne par la présence du Saint-Esprit et du Christ. Alors, ce jour-là, qui a été 2 heures plus tard, j'étais avec 66 bougies, de groupe de 33 bougies. Moi et un ami à moi, à l'entrée de Bethléem, on a bien voulu juste allumer les bougies pour en prendre une photo avec, vu qu'on ne s'attendait pas du tout que ça soit vraiment une lumière. Ce qui est arrivé, c'est un peu très étrange. C'est que nous, on a bien voulu jouer avec, on a commencé à placer nos mains dessus, rien que pour voir qu'est-ce que ça va donner. Vous vous rendez compte de la flamme. 66 bougies, et là, on découvre que c'est froid. Il n'y a rien. Je fais passer mes mains à leur travers et je sens rien. J'avais bien sûr une joie extraordinaire, aussi bien que mon ami qui n'était pas du tout croyant à ce sujet. Et là, on commence, nous les deux, à le placer sur nos visages et que la flamme entoure le visage, les cheveux, tout. On n'arrivait pas à croire ce qui se passait vraiment, surtout que c'était 2 heures plus tard. Les secondes passent, dont on n'a pas compté, mais on a commencé à sentir un petit moment que la chaleur va démarrer. Et c'est là qu'on a décidé, on a dit, c'est assez, on se réjouit de ce plaisir, et on les a éteints, on les a bien conservés, bien sûr, on a été de retour en Égypte avec, et on a donné à nos amis chacun une bougie, et quelle joie et quel plaisir. Une autre année, je suis allé à Jérusalem, dont on voit la carte, dont j'aime bien présenter. Comme vous voyez bien, Jérusalem qui est devant vos yeux n'est pas Jérusalem qui a été reconnue dans le temps. Dans le temps, les murs de Jérusalem étaient 500 mètres par 500 mètres, et le lieu de la crucifixion était hors cette ville, aussi bien que plein de ces lieux sacrés et ces églises étaient hors Jérusalem d'aujourd'hui. Mais Jérusalem, comme vous la voyez devant vos yeux, s'est agrandie. Elle est devenue 1000 mètres fois 1000 mètres. Ça veut dire 1 km carré. Et Jérusalem, aujourd'hui, elle contient les marches, le chemin de la croix, le lieu où le Christ il a souffert, où il a emporté sa croix, où il a marché, où il a été crucifié. En fait, quand on regarde la carte devant nos yeux, on souffre aussi bien aujourd'hui de cela, car on voit la division chrétien, musulman, juif, arménien. 4 quartiers indépendamment l'un de l'autre. Et on voit que les gens n'habitent pas en amour, n'habitent pas en cohabitation, pas du tout la séparation. Comme un échiquier, il n'y a que la loi de la police qui fait les règles du jeu et qui impose la paix entre ces populations. Ces 4 quartiers que vous voyez sont 4 quartiers fabuleux, car une fois arrivé à Jérusalem, vous arrivez par exemple à la porte de Jaffa et vous rentrez dans le quartier chrétien, à l'intérieur duquel, qu'est-ce qu'on repère? En premier, la tour de David. Et là, vous vous sentez dans le temps de la Bible, vous vous sentez dans l'Ancien Testament, vous marchez dans ces vieilles rues de cette belle ville, et là, on y arrive à être dans le temps, sur les pas du Christ, des siècles et des siècles avant. Comme vous voyez bien ces célébrations, ce peuple qui traverse la porte de Jaffa, durant la Semaine Sainte, il y a les Juifs qui rentrent pour célébrer leur fête, aussi bien que les chrétiens qui rentrent pour célébrer leur fête à l'intérieur des murs de Jérusalem. Vous voyez bien maintenant le quartier arménien. Ce quartier concerne encore un musée et fait une petite séparation entre le quartier juif et le quartier chrétien. Quand on y marche là-dedans, vous sentez la foi, vous sentez la joie des prières, vous entendez les hymnes. Vous avez dans vos cœurs la présence, non pas seulement des apôtres ou bien du Christ, mais aussi bien
de tous les chrétiens qui ont traversé ces lieux et qui ont reconnu la souffrance pour conserver leur foi. Quand on les traverse, c'est qu'on arrive encore pour le quartier juif, à l'intérieur duquel où on trouve le mur de lamentation, où on trouve le temple de Soléman, où on trouve tous ces peuples qui viennent de loin pour faire leur prière devant leur autel qui se trouve sous la mosquée. Quand on traverse ce quartier et qu'on arrive au quartier musulman, qui est bien sûr très, très, très peuplé, un nombre fou. Là, vous voyez bien le mur de lamentation. Vous voyez les gens qui arrivent vers le mur avec une croyance que jusqu'à 2 mètres de ce mur, les anges carobim sont encore présents. Et de là qu'ils se présentent avec leur tête, avec la lecture de leur psaume, qui sont les psaumes entre 100 et 106, si je ne me trompe pas. Et ils ont toujours leur foi et leur cœur entre leurs mains, les présentant au Seigneur, au Dieu. Tous les gens prient, derrière lesquels vous voyez bien la mosquée, et dans cette mosquée, les musulmans vont y aller à tous les vendredis, ils vont forcer les portes pour faire leur prière, et là, la foi des trois religions abrahamiques est bien présente. Jérusalem, on la voit, un lieu de prière, avec les marchés, avec les icônes, avec la marchandise, avec tout. Maintenant, quand on traverse Jérusalem, on traverse aussi bien toutes les démarches que le Christ a traversées. Ça veut dire, là par exemple, on est dans le quartier islamique. Mais le quartier islamique, si on prend la rue jusqu'au bout, on va arriver dans un lieu où on trouve les églises qui ont été sur l'emplacement pour les premières étapes, les premières phases du chemin de la croix. On arrive à la fin pour y être à l'église de la résurrection, le Saint-Sépulcre. Bien sûr qu'en Occident, on va toujours dire et nommer l'église sous le nom de la mort, le Saint-Sépulcre, la tombe. Mais nous ici, en Orient, c'est la résurrection. Pour nous, c'est l'église de la résurrection, malgré que sa résurrection a eu lieu sur le mont des Oliviers, où il y a la fameuse église de la résurrection et qui est juste à côté de celle où elle a enseigné notre Père qui est aux cieux. Dans cette église que vous voyez devant vos yeux, il y a une belle cour à ciel ouvert à l'entrée, et de cette cour à ciel ouvert, il y en a plein de communautés. Vous retrouvez les Arméniens, les Éthiopiens, les Grecs orthodoxes, les Orientaux orthodoxes, les catholiques, les franciscains. Tout le monde est présent à l'intérieur. Chacun a son église, chacun a son hôtel, chacun fait ses prières. Vous retrouvez, par exemple, dans la cour vers votre gauche, les Orientaux orthodoxes. À votre droite, vous retrouvez les Éthiopiens à deux niveaux, dessus lesquels deux monastères, un pour l'Éthiopie, un autre pour les Coptes orthodoxes. Et une fois qu'on traverse la porte d'entrée de cette église, à votre droite, il va y avoir la Golgotha. Vous voyez bien la porte devant vos yeux maintenant, et vous voyez à notre droite le lieu des églises éthiopiennes, dessus lesquelles leur monastère est le monastère des Coptes. À gauche de la porte d'entrée, ça, c'est Maria Oub, l'église de Jacob, exactement, où il y a la flèche verte. Et dans cette église, il y en a deux hôtels. C'est une qui est ancienne et une qui est un peu plus récente, où toute la communauté chrétienne orthodoxe qui habite toute la Palestine et viennent pour célébrer la fête, c'est le jour de voyage de tous les Palestiniens, de Jaffa, de Nazareth, de tout. Ils y viennent et ils prient. Maintenant, où il y a la flèche jaune, vous retrouvez le symbole qui est une échelle qui ne bouge pas ici. Depuis l'an 1757, c'est interdit de la toucher, malheureusement, par ordre ottoman, car à cette époque, cette église qui a été réalisée à l'époque de Constantin, ça veut dire à la fin du IVe siècle, dans les années 381, peut-être qu'il vaut mieux avoir un bref sur cela en premier. Vous savez que ce lieu était, pour le premier siècle, à l'extérieur des murs de Jérusalem. La Golgotha, le lieu de la crucifixion, le lieu de l'enterrement, tout cela. Et après ça, c'était un lieu pour les poubelles. Et après cela, il y a eu une construction d'un temple pour Vénus à l'époque romaine. Et quand l'empératrice Hélène, la mère de l'empereur romain Constantin, Hélène, bien, aujourd'hui, on dit aussi bien à notre église Sainte-Hélène, elle a décidé de faire un voyage pour la découverte de la croix du Christ.
Une fois arrivée là-bas, elle commence à faire l'interrogation avec les Juifs des lieux, aussi bien que les orthodoxes qui habitent la zone. Elle arrive à faire les fouilles dans ce lieu où, en maintenant notre photo, elle démolit un temple, elle découvre une tombe, elle découvre les trois croix, celle du Christ et des deux autres qui étaient à sa droite et à sa gauche. Ils ont bien voulu tester la vérité de ces croix et vu que c'est un lieu d'enterrement, à l'arrivée d'un décès et d'un enterrement, elle commence à placer les croix l'une après l'autre sur ce monsieur qui est décédé, qui est mort, qu'on va enterrer. Eh bien, il a ressuscité, il a eu la vie de nouveau. Et dû à la croix qui a donné la vie au monsieur, ça a été décidé que ça, c'est la croix du Christ. Voilà le lieu sur lequel il a été crucifié. C'est à l'entrée à droite où elle a été placée et on a réalisé ici un autel. Et le petit autel que vous voyez, il y a un petit trou dans le verre. Si on place le poignet, on arrive à toucher la roche sur laquelle la croix du Christ elle a été placée. À sa droite, il y a un autel. À sa gauche, il y en a un autel. Et quel bonheur d'y être dans ce lieu où vous sentez vraiment la foi, l'énergie, la présence divine et on est toujours dans le temps du Seigneur. À l'intérieur de cette église, si on descend l'escalier qui se trouve de cet hôtel, vous y arrivez à une plaque en marbre rose qui a été rajoutée à l'emplacement où le Christ on a placé tous les parfums sur son corps, l'onction. Alors, c'est ce lieu. La pierre qu'on voit aujourd'hui en marbre, elle est moderne. Elle est rajoutée sur l'ancienne, car il faut savoir que dans l'histoire de cette église, il y a eu plus qu'un incendie et plus qu'une destruction. Entre Constantin, 4e siècle, et le 19e siècle, plus qu'un incendie et plus qu'une destruction et plus qu'une invasion. La ville de Jérusalem, elle a été placée pour son pouvoir entre chrétiens et musulmans à plusieurs reprises, entre envahisseurs et protecteurs à plusieurs reprises. Alors, les pierres aussi bien qui sont dessus ce bloc ont été détruites par les chrétiens plutôt qu'avec d'autres, car chacun a bien voulu avoir un souvenir de la pierre où le Christ, son corps, a été placé dessus. Aujourd'hui, elle est bien protégée, les ruines qui sont dessous, et on y vient avec les parfums pour y placer et avoir cette bénédiction de ce lieu. À la suite, le Christ il a été placé dans son tombeau, dont aujourd'hui un autel a été réalisé dessus. Voilà le Christ avec les préparations pour son corps avant son enterrement. Et là, on découvre, une fois que le Christ il est rentré dans sa tombe, on a bien sûr le texte qui nous parle, qu'il a bien dit au voleur, qu'il serait avec lui au paradis le jour même. Et le lendemain, on a l'apparition de la lumière. Et le jour d'après, on a la déclaration de la résurrection. Aujourd'hui, on voit devant nos yeux le patriarche qui sort avec les bougies éclairées. Et comment elles ont reçu cette belle lumière? Eh bien, on a bien sûr plusieurs hypothèses et plein de choses qui se disent. Dans la tradition orthodoxe, le patriarche y rentre à l'intérieur pour faire ses prières, disons que le peuple est à l'extérieur, on attend l'arrivée du Seigneur, tous ces peuples attendent votre lumière, la lumière du Christ, la lumière du Saint-Esprit. Les bougies s'éclairent, elles gagnent cette lumière divine, il sort avec, il les donne à tous ces peuples qui attendent à l'extérieur, tout le monde allume ses bougies et tout le monde en récupère cette belle lumière. En fait, moi j'en ai parlé dans mon premier voyage, que 2 heures après, j'en ai reçu ce feu sacré, ce feu divin, en tant que lumière. Mais à d'autres reprises, je suis allé. Il y a un autre voyage où je suis rentré avec cette foule que vous voyez devant vos yeux. Et quand j'ai reçu, dans quelques secondes, j'avais aussi bien mes 66 bougies, 2 fois 33. Et quand j'ai reçu ce feu sacré, ce feu divin, et elles ont été éclairées, j'ai senti une chaleur terrible. C'était un feu, on dirait un incendie. Alors, j'ai tout de suite éteint mes bougies et j'avais peur de cette force et de toutes ces fumées qui ont eu lieu. Alors, je les ai éteints et j'ai attendu à l'intérieur de l'église jusqu'à ce que la foule sorte. Ça a pris à peu près 1h30 à 2h.
tellement qu'il est un monde incroyable. Et après 2 heures, je n'avais pas quitté, je voudrais gagner, on peut dire, de ce lieu, la force de la prière et la force de la présence divine. En s'approchant du Saint-Sépulcre, j'ai réallumé mes 66 bougies pour prendre une photo avec et l'envoyer à mes amis, à mes collègues. Et là, j'étais très étonné. Les bougies réallumées 2 heures plus tard, c'était froid. Et il y avait, on peut dire, pour moi, c'était un miracle, bien sûr. Alors, j'ai pris les photos. Les gens autour de moi ont commencé aussi bien à être bénis par ces belles bougies. Les gens ont commencé, les personnes qui étaient autour, ce n'étaient pas plein de gens, peut-être une dizaine, les gens qui sont restés 2 heures plus tard. On commence à placer nos mains, comme vous voyez toujours dans les YouTube et autres, les mains dans le feu, c'est froid, sur le visage, c'est froid. Ces flammes entourent le visage, arrivent jusqu'aux cheveux, c'est froid. Et après peut-être une demi-minute, j'ai senti cette chaleur qui commence à revenir. Alors je les ai éteints. Mais ce jour-là, je peux vous dire que ce que j'ai reçu de la tombe ou bien du patriarche, c'était du feu, un véritable feu chaud. Et 2 heures plus tard, je les ai eus froids. Voilà, ça c'est mon témoignage. Il y a un troisième voyage que j'en ai fait, comme je suis allé déjà 6 fois là-bas, mais 3 parmi lesquels j'ai réussi à voir le feu divin. Dans un troisième voyage, j'étais invité pour accompagner un homme très âgé qui était dans mon groupe à l'intérieur de l'église pour assister au feu sacré. Alors ce monsieur, je ne sais pas son âge, mais très très âgé, il marchait en difficulté. Son fils travaillait comme avocat à Jérusalem, un Égyptien qui a gagné la nationalité, je ne sais pas comment, mais quand même, il travaille en tout cas en tant qu'avocat là-bas. C'est son métier. Et il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de connexions. Alors, il a utilisé ses contacts et ses connexions pour faire rentrer son père. Et il m'a dit, tu vas l'accompagner, c'est bon si tu peux, pour l'aider pour les marches. On est rentré à l'hôtel, derrière l'hôtel de l'église, la petite chapelle, on peut dire, copte orthodoxe, qui se trouve derrière le Saint-Sépulcre. Ils ont 2 chambres, une sur l'autre. On est rentré au premier étage, on est monté au 2e étage. On a attendu l'arrivée du feu divin, du feu sacré. Quand il est arrivé, déjà ce jour-là, je me souviens très bien que la fumée à l'intérieur de l'église était terrible. Je n'arrivais pas à respirer. Heureusement que j'avais avec moi un mouchoir. J'ai placé de l'eau. J'ai placé le mouchoir sur mon nez pour pouvoir respirer, aussi bien que pour le monsieur, pour empêcher la fumée de l'appareil respiratoire. Et j'ai refusé ce jour-là d'allumer mes 66 bougies, car vraiment, je voyais que tout le monde recevait autour de moi cette force de feu divin, feu sacré, comme un incendie, un feu terrible, terrible. Et les gens même éteignaient leurs bougies en difficulté, tellement que c'était très fort. Toutes ces bougies que vous voyez, comme celle-là, avaient des flammes de cette taille. Toutes ces bougies s'effondraient tellement que c'est chaud. Alors moi, j'ai refusé d'allumer. Et plus tard, j'ai accompagné le monsieur après que la foule est partie jusqu'à sa sortie. Et j'étais de retour car l'église reste ouverte. Et je voudrais aussi bien profiter du calme 2 heures plus tard pour éclairer mes bougies, les allumer. Il y avait une sœur catholique ou orthodoxe, aucune idée. Je me souviens qu'il y avait une sœur qui était à côté de l'hôtel. Et avec elle, elle avait une bougie. Et de cette bougie, j'ai allumé mes bougies, les 66 bougies, 2 x 33 comme d'habitude. Et là, j'étais très étonné. Là, je les ai allumées pour la première fois. Pas comme la fois qui a précédé, j'avais allumé 2 fois, la première chose, la deuxième fois. Cette fois-ci, c'était pour la première fois que je les allume. Et je me souviens, oui, je les avais allumés rien que pour les éteindre et les ramener avec moi une deuxième fois en Égypte et distribuer à mes amis avec ce noir que vous voyez là, ça veut dire pour que les gens disent ça a été touché par le feu sacré. Alors, j'en ai fait ça, je les ai allumés et c'était froid.
Je reçus le feu divin 2 heures plus tard, foi. Pareil, j'ai placé sur mon visage, j'ai placé mes mains, et même la sœur, elle les a testées, les gens autour, on a tous pris des photos avec, on les a passées les uns aux autres, probablement une demi-minute ou une minute, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand, après un moment, oui, ça devient un peu chaud et on les a éteints. Alors, bien sûr, l'explication du sujet n'est pas la mienne. Moi, tout ce que je peux faire, c'est un témoignage des faits que j'ai traversés. Sur 6 voyages, 3 fois, j'ai testé ce feu divin, cette lumière. La première, 2 heures plus tard. La deuxième, 2 heures plus tard. La troisième, 2 heures plus tard. Et à chaque fois, j'ai eu mes 33 secondes, probablement. Comme tout le monde dit, c'est l'âge du Christ. Je n'avais pas la montre ou le téléphone pour compter le seconde. Ce sont des moments magiques dont on profite au maximum et dont on essaie de les célébrer. Et on a un sentiment quand on reçoit le Saint-Esprit. Bien sûr, on le reçoit par l'Eucharistie, par les prières et partout. Mais c'est autre chose. C'est très sacré, ce moment. Alors, y être à Jérusalem, sur les pas du Christ, avoir cette lumière et ce feu, c'est un grand débat. C'est un grand débat entre ceux qui l'attaquent, ceux qui décident que c'est un oui. Il y a de tout. Tout ce que je peux dire, j'ai gagné de mes voyages cette joie et ce plaisir qui ont réjoui mon cœur, qui ont rempli, on peut dire, mes pensées par des pensées très positives, qui sont hors débat politique, qui sont hors débat entre confessions, soit les catholiques, les orthodoxes, les protestants et autres qui ont des grands débats sur ce sujet. Aussi bien, ça a dépassé, bien sûr, tout ce qu'on écoute sur l'explication du sujet, qu'elle soit, par exemple, scientifique, philosophique, théologique, entre ceux qui veulent confirmer que c'est un vrai fait et d'autres qui l'attaquent, et entre ceux qui parlent d'un phosphore. Vous savez, même sur le lieu, il y a des chrétiens qui l'approuvent, il y a des chrétiens qui le critiquent, il y a des musulmans qui l'approuvent, il y a des musulmans qui le critiquent. J'en ai par exemple vu la différence entre les jeunes et les vieux musulmans. J'en ai rencontré un monsieur d'un certain âge, il m'a dit: Simon, tu sais, quand nous étions petits, nous on y croit que quand le patriarche rentre à l'intérieur, il fait une prière pour ramasser la lumière. Et bien, le monsieur m'a dit que quand il était petit, il a pu voir des boules de lumière transparentes, comme des boules, vous savez, comme celles du savon, et que le patriarche ramasse cela par ses mains, par ses prières. Il m'a dit, c'est cette force de l'arrivée de cela qui éclaire ces bougies. Eh bien, c'est un témoignage d'un monsieur qui me l'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cet hôtel, de ce sépulcre? Ça reste toujours, oui, quelque chose qui n'est pas dit. Ce qui est vraiment toujours dit, une prière, un éclairage, une lumière divine. Mais à l'extérieur, on y assiste et on est heureux. J'écoute à vos questions, à vos commentaires, à tout ce que vous voulez savoir. Merci, merci Simon. Juste une petite question. Je lisais justement sur ce miracle. Et il disait qu'il y a toujours une inspection qui est faite. On fait une inspection du patriarche avant de rentrer dans le tombeau pour être sûr qu'il n'a pas de bougie, d'allumettes ou quoi que ce soit. Et on fait aussi une inspection pour être sûr qu'il n'y a rien de caché à l'intérieur. Est-ce que je me trompe? Vous avez complètement raison. Mais vous savez, si on veut dans ce monde tricher, on peut le faire. Oui, il y a l'inspection, il y a de tout, mais ça, tout dépend de votre croyance. Par exemple, on fait l'inspection et les gens qui n'y croient pas vont vous raconter qu'ils placent ces bougies dans un phosphore blanc et qui 20 minutes plus tard, le temps qu'ils rentrent, il y a une évaporation, puis elle s'allume toute seule. Il y a d'autres qui peuvent vous dire, mais quand même, il peut cacher quelque chose à l'intérieur dans un creux dont personne n'y connaît le secret. On entend beaucoup d'histoires par les gens qui veulent faire la critique. Et bien sûr que la police israélite fouille le tout, hein, le corps, il ne rentre qu'avec une robe très, très simple. Nous, on a une croyance. On a une croyance, mais quand même, moi, j'ai assisté à ce feu qui a été pour moi une lumière.
Et vous savez, dans notre foi et dans notre croyance, on dit toujours qu'il est lumière de lumière, notre Jésus. Alors, quand on a cette lumière, oui, on est content. Et on a toujours plein de textes dans la Bible, que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament, qui nous parlent du Dieu en tant que la lumière de notre vie. Alors, le fait de voir cela, c'est beau. Il y en a qui vont vous dire que c'est une confirmation de la résurrection. Non, ce n'est pas une confirmation de la résurrection. Vous savez, le temps qu'on a réalisé cette église que vous avez bien présentée maintenant comme photo, elle est faite 4e siècle. Alors, le christianisme s'est propagé pendant 4 siècles jusqu'à l'empereur le déclare une des religions de l'État. On est arrivé à 15% de la population pendant les premiers siècles sans avoir le miracle de la lumière divine. Le miracle n'a jamais été dans la vie des chrétiens en tant qu'un outil pour que quelqu'un y croit à la religion. Non, la croyance à la religion n'est pas attachée à un miracle. Elle est attachée au Christ, la foi qu'on a pour lui et notre croyance en lui. Mais ce miracle est un phénomène comme tous les phénomènes qui arrivent dans l'histoire de l'Église, comme a bien présenté Père Bolade, par exemple, à Médicorée et à autres, tout ce qui se passe comme phénomène surnaturel qu'on vit. Si un de ces phénomènes se déclare qu'il est un fraude ou un fou, ça n'a rien à voir avec notre foi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un fraude, une personne ou une institution. Mais notre croyance, elle est pour le Christ et non pas aux institutions et non pas aux phénomènes surnaturels. Alors, c'est une beauté, bien sûr, d'avoir ce feu. Et je peux vous dire que mon ami qui était avec moi n'était pas un croyant à ce sujet, mais un croyant au Christ. Et il a été étonné, et ça y est maintenant, c'est du bonheur. Oui, je vous écoute. Bon, merci Simon. Bon, mesdames et messieurs, on s'excuse si on a dépassé un peu le temps alloué, mais c'est un témoignage fort intéressant. Maintenant, c'est le temps des questions et de partage. Merci encore une fois d'être bref et concis pour permettre aux autres participants qui le désirent de prendre la parole afin de respecter le temps alloué à cette conférence. Pour ceux qui aimeraient prendre la parole, je vous invite à cliquer sur l'icône de la main levée au bas de votre écran. Quand viendra votre tour, vous pouvez, si vous le désirez, activer votre caméra. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions par écrit à l'aide de la fenêtre de conversation ou de chat à l'attention de l'animateur. Je vous prie de bien vouloir garder les salutations à la toute fin de la conférence. Donc, la première personne, Carole, c'est à vous. OK. Ce que je voudrais dire, c'est que, bon, j'ai évidemment énormément aimé la conférence du Père Bolade. Heureusement, j'ai pris des notes. Et puis, pour moi, c'est tellement précieux. Je ne peux même pas l'exprimer. Donc, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est que c'est cette autre dimension, en effet, j'ai été en présence des apparitions de la Gospa à Medjugorje et évidemment, je ne l'ai pas vue, mais je l'ai sentie. Et il y a aussi d'autres manifestations que d'autres gens ont, chacun une manifestation. Ça m'amène à je remercie le Père Bolade, et ça m'amène au témoignage de Simon qui pour moi, tout ce que vous avez exprimé, c'est la présence divine. Vous parlez d'une foi qui est augmentée, votre foi, mais c'est surtout pour moi la joie qui émane de votre personne qui, pour moi, est le témoignage le plus grand. Toute cette joie, en effet, que je sens que vous avez, que vous rayonnez. Voilà. Et je vous remercie et puis à tous, une bonne semaine sainte et joyeuse Pâques. Merci. Merci, Carole. Joyeuse Pâques à vous aussi. Merci. Louis, à vous la parole. Je vais vous demander d'activer votre micro. Bonjour, bonjour Père Bolade, bonjour, bonjour Monsieur Simon. Bon, évidemment, encore une fois, un exposé magistral de votre part et peut-être encore une fois révolutionnaire. Moi, ce que je voulais savoir, c'est l'éclairage un peu nouveau que vous nous donnez sur la Pâque, la résurrection de Jésus, si
c'est un petit peu quand même un petit peu différent de, du discours officiel de l'Église. Ça, c'est la première question. Voilà, la première question, je vais être là. Ou non? Et pourquoi n'entend pas plus ce type de discours dans l'Église? Moi, je suis en train de me dire, s'il y avait beaucoup plus de Père Boulade dans l'Église catholique, on n'en serait pas là, et il y aurait, et nos églises en Europe, elles seraient un peu plus remplies. Voilà. Vous voyez, pour arriver à interpréter la résurrection de façon nouvelle, il fallait se dépouiller de la notion de miracle. La résurrection du Christ n'est pas un miracle. Et le Christ qui sort du tombeau n'est visible que s'il veut se rendre visible. Ça veut dire qu'il est dans cette autre dimension où on peut être visible ou non, on peut manger ou non, on peut traverser des murs ou non, on peut se faire voir ou non. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle la totale maîtrise de l'esprit sur la matière, hein, telle que elle sera notre partage à tous au moment de la résurrection. Le corps ressuscité est un corps qui a réalisé le rêve de l'esprit de dominer la matière, de s'en rendre maître, si vous voulez. De même que le Christ ressuscité a le cosmos entier comme corps, chacun de nous participera à cette maîtrise totale sur l'univers qu'on essaye d'avoir à travers la science, la technologie, qui sont des manières primitives, si je puis dire, de dominer la nature, la matière, mais qui sont des signes de ce que sera un jour notre pouvoir sur la matière, et que certains yogis de l'Inde ont déjà acquis par des techniques de maîtrise sur leur corps et sur leur esprit. Mais il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Simplement, la résurrection du Christ nous indique ce que nous serons un jour. Mais donc, c'est pas, pardon d'insister, c'est quand même pas un discours commun dans l'Église que le vôtre ici. Non, il n'est pas commun, non. Voilà. Non. Mais donc, il faudrait le dire. Les recherches théologiques et philosophiques, je vous ai cité un seul témoignage, Jean Guiton, qui est un philosophe. Bon, mais il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur ce phénomène de la résurrection, mais étant donné que mon temps était extrêmement limité, j'ai dû laisser de côté des quantités de notes que j'avais apportées avec moi, parce que j'ai été à l'essentiel, c'est tout. Maintenant, tout ça a besoin d'être travaillé, développé par chacun. Il faudrait en faire un livre. Moi, j'adhère totalement à ce que vous dites, hein, mais il faudrait en faire un livre, justement, là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Hein, en tous les cas. Merci, Louis. Rafik, c'est à vous la parole. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, la question est la suivante. L'humanité, dans l'histoire de l'humanité, il y a de la guerre, il y a du mal, il y a de la souffrance, il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas dans la lignée de ce qu'on vient d'entendre, que bon, ben, le corps dans la lignée le corps mystique du Christ, c'est le phénomène de mutation, de métamorphose. Comment, où se situent ces événements qui rappellent plus le mal et la guerre dans ce processus-là? Bon, je vais essayer de t'expliquer. Tu jettes une graine dans le sol. Elle va attirer à elle
des produits chimiques, des molécules qui vont s'intégrer à cette graine pour devenir un arbre. Est-ce que toutes les substances chimiques du sol vont entrer dans la graine? Non. Certaines sont réfractaires, refusent cette attraction. Si tu veux, quand le Christ ressuscité attire à lui, quand il a dit « J'attirerai tout à moi, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi », il attire tout à lui, mais tout le monde n'obéit pas à cette attraction. On peut résister, c'est le mystère du mal et de la liberté qui fait que tous ceux qui ne veulent pas répondre à l'appel, à l'invitation, d'ailleurs, tu as dans l'évangile la parabole des invités au festin. Il invite des quantités de monde. Chacun s'excuse et trouve des prétextes. Seuls entreront dans la salle du festin ceux qui ont accepté l'invitation. Alors, quand je dis l'humanité sera drainée à lui pour devenir un grand arbre ou bien pour devenir ce corps mystique que j'ai présenté, pas toute l'humanité, ceux qui veulent. Et là, c'est le mystère du mal. Il y a des gens qui sont réfractaires. Hein. Moi, je vis par exemple avec des gens, certains m'acceptent et certains ne m'acceptent pas. Et alors, je ne peux pas leur dire « tu vas m'accepter ». Non, c'est libre, l'amour est libre. Et le mystère de ce corps, c'est un mystère d'amour où on y est intégré ou on n'y est pas intégré selon sa réponse à l'invitation. Voilà. Et donc, le mal demeure et le choix demeure et le drame du refus demeure. Et c'est ce qui rend notre vie particulièrement, passionnante, parce que rien n'est joué d'avance, ni dans notre vie, ni dans l'histoire humaine. Rien n'est écrit. Alors, pour moi, ça, c'est quand même impressionnant. Je peux refuser l'invitation. Je peux refuser d'aimer. C'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer, c'est le refus éternisé d'aimer, de s'ouvrir. Tu peux t'ouvrir et tu peux te fermer. C'est à toi de choisir. La parabole de Lazare et du mauvais riche. Le mauvais riche n'a pas voulu aimer. Et il est dans ce lieu de tourment dont on parle dans l'Évangile. Mais c'est la liberté. Tu ne peux pas faire l'économie de la liberté humaine. Et ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est que le choix est laissé à chacun, oui ou non. Merci. Merci, merci. Merci, Rafi. Brenda, c'est à vous la parole. Je vais vous demander d'activer votre micro. Merci pour ce témoignage du père Boulard que j'écoutais assez fréquemment à Radio Ville-Marie. Et vous, Simon, vous avez vécu mon rêve. Depuis des années que je veux marcher de Nazareth à Jérusalem sur les pas de Jésus et de vivre la Semaine Sainte à Jérusalem. Alors, ma question, c'est comment faire? Comment on s'y prend? Je suis du Canada, évidemment. Et qui m'accompagnerait? Il n'y a pas d'agent de voyage qui se prête à ce désir et j'aimerais avoir quelqu'un qui m'accompagne pour le trajet. Alors, peut-être que Simon, vous avez des idées. Vraiment, non, je ne saurais pas comment y faire, mais il faut avoir des contacts locaux. Brenda, si je peux intervenir, vous pouvez contacter les agences de voyage comme Spirit Tours, qui se spécialisent dans les voyages religieux. Aussi, vous pouvez demander à votre église, il y a certaines églises qui organisent
justement des voyages et des tours guidés. Léla, c'est à vous la parole. Merci et bonjour à tout le monde. Bonjour juste, Léla. Je n'avais pas posé, mais la question de Brenda, il y a aussi les franciscains qui sont très, qui ont les franciscains, the Franciscan Association trips, ok. Ce que M. Rafik vient de dire, moi ça m'a fait penser à quelque chose. Merci Parboula, merci, c'était très profond et encore, je dois l'écouter plusieurs fois. Mais ce que Rafik vient de dire, moi. Ce que j'ai compris, n'est-ce pas que le Christ a dit que quand il est mort sur la croix dans Pierre, il a dit « He himself bore our sins ». Il a tout pris vers lui. Donc, tout le monde est racheté. Tout le monde, non, c'est pas… Et puis, j'ai une autre question aussi. Parce que j'ai une amie bouddhiste, c'est d'ailleurs une de mes meilleures amies depuis de très longues dates. Elle a été éduquée par des catholiques, mais elle est bouddhiste de naissance. Hein. Elle est née au Népal. Et pour elle, c'est la réincarnation. Et moi, je ne suis pas là pour l'obliger à croire, parce que c'est pas ça, c'est la foi. Mais comment elle ne sera pas au ciel avec nous aussi? C'est-à-dire, c'est ça, c'est tout le monde. Ce n'est pas qu'elle n'a pas accepté, c'est qu'on n'a pas évangélisé assez. Alors, comment faire pour que tout le monde… Est-ce que vous comprenez ma question un petit peu? Je comprends très bien ta question. Oui. C'est la question qui se pose de plus en plus. Qui est sauvé? Qui est sauvé? Alors, traditionnellement, l'Église catholique, ou l'Église tout court, te dit, pour être sauvé, il faut être baptisé. Et là, c'est toute une conférence qu'il faudra avoir sur ce thème-là. Est-ce que le baptême est la condition pour entrer au ciel? Ou bien y a-t-il autre chose? Et là, quand le Christ dit « J'ai sauvé tout le monde », il les a sauvés, ça veut dire qu'il leur ouvre la porte et leur dit « Entrez ». Mais celui qui ne veut pas entrer, en d'autres termes, il ne va pas le prendre par la main et le tirer, non. Il veut lui dire la porte est ouverte. Tu entres ou tu n'entres pas, je n'entre pas. Oh. Alors, disons que le salut est ouvert à tous, mais pas imposé à tous. Un salut ne peut pas être imposé. L'amour ne peut pas être imposé. Tu ne peux pas dire à ton boyfriend, tu vas m'aimer ou bien je te tire une balle dans la tête. Il te dira, oui, je t'aime, mais... Que vaut cette déclaration d'amour, hein? Le Christ, il nous invite. Le salut est une invitation. Mais chacun est libre. Donc nous devons devenir une église encore plus évangélique. Nous devons évangéliser plus, mais par notre vie. Est-ce que l'évangile... accepté, proclamé, et la foi reçue et le baptême sont les conditions absolues d'entrer dans le royaume, là, c'est un sujet qui mérite d'être étudié dans une autre rencontre, parce que c'est toujours les mêmes questions qui sont posées. Qui est sauvé? Un musulman, un athée, un juif, un bouddhiste sont-ils, doivent-ils passer par les rites de l'Église pour être sauvés? Doivent-ils accepter le Christ pour être sauvés? Certains te diront, oui, bien sûr, c'est la condition absolue. Mais je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est toute une conférence qui serait nécessaire. Merci. Merci, Père Boulat. Oui. Merci, Leïla. Thérèse, à vous la parole. Alors, bonsoir, mon père. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. À propos de Jésus ressuscité, il est différent de Jésus mort. I believe it completely. And I believe that nous touchons à ce Jésus
durant notre vie ici sur Terre, il y a des moments qu'on est en contact avec ce spirituel extrême. Et ce n'est pas nécessairement à l'église, ce n'est pas nécessairement dans les pèlerinages, ce n'est pas nécessairement à la Terre Sainte. Bon, ça peut arriver. Mais il y a des moments où on est vraiment en contact avec Dieu, avec Jésus, l'infini Jésus, l'infini amour, l'infini pouvoir, l'infini... Et je n'arrive pas à mettre les mots nécessaires pour to describe this. C'est un sujet qui doit être développé. Le baptême, l'entrée dans l'Église, la foi en Jésus-Christ, sont-ils la condition absolue pour être sauvé ou bien y a-t-il d'autres chemins? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre comme ça. Si tu veux une petite réponse très rapide, quand Jésus dit « Passez à ma droite, vous, parce que j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu, m'avait aidé », les gens vont dire « On ne te connaît pas, ils ne savent pas que c'est Jésus ». Ils ont donné un verre d'eau à quelqu'un qui n'avait pas sur son front « Je suis Jésus ». C'était un malheureux. Et beaucoup de gens aident Jésus sans savoir que c'est Jésus. Justement, oui. Merci, mon père. Merci. Merci, Thérèse. Nous avons le temps pour deux autres questions. Martine, à vous la parole. Bonjour, mon père, et merci à Simon. Ce que je peux comprendre, c'est que je suis une pierre vivante du temple du Christ. Je suis déjà ressuscitée en Christ pour vivre pleinement cette source jaillissante dans le corps mystique du Christ. Et j'ai beaucoup aimé, Père Boulad, quand vous avez dit que vous étiez près du Sacré-Cœur de Jésus parce que vous êtes le bien-aimé de Jésus. Et j'ose dire la même chose, je suis la fille bien-aimée de Jésus, complètement dans le cœur bouillant. Et c'est ce feu sacré et qui fait chauffer les cœurs à l'intérieur. Je fais le parallèle avec Simon, le témoignage de Simon. Et c'est très, très vécu dans le corps, ce feu sacré, ce feu qui brûle le corps, parce que c'est une attraction. Et on répond à cet amour brûlant de Dieu. En devenant cette attraction, ce n'était pas pour nous, rien que pour nous, mais pour les autres, les entourages, notre mari, nos enfants qui cheminent aussi dans leur propre histoire. Mais étant sortie de ma propre histoire pour être dans cette transhistoire en évolution avec le Christ mystique, bien, j'accepte à tous les jours et à chaque instant l'invitation qu'il me tend à devenir cellule vivante de son corps. Et ça se fait ici et maintenant. Et je remercie que cette conférence, ce lieu sacré que nous vivons présentement, se passe le 2 avril 2022, juste avant Pâques. Et puis, ça peut m'aider à encore vivre plus intensément, de façon simple, ordinaire, dans ma simplicité de femme, de vivre auprès de ma famille ce que je vis de l'intérieur avec le Christ ressuscité en moi. Et je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas vraiment de questions, mais c'est ma façon de dire ce que j'ai compris maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Et priez, merci, Martine. Prions ensemble pour le meilleur du monde. Oui. Merci, Martine. Dernière question, c'est Thierry et Valéria. Je vais vous demander d'activer votre micro. Bonsoir, Père Boulad, Simon. Bonsoir. Merci à vous, amis. Une brève question qui justifierait peut-être une longue réponse.
depuis ce fameux vendredi à 15h où tout a commencé, Père Boulat, avez-vous le sentiment que nous avons fait du bon travail en 21 siècles et que nous avons fait du bon travail avec cette petite graine? Quel bilan feriez-vous très brièvement de ces 21 siècles que nous avons, depuis que nous avons cette graine a été plantée? C'est une mauvaise question. Une question piège, parce que quand on voit des désastres, des guerres et des massacres et de l'intolérance et de la haine et de ce qui se passe, on se dit vraiment, c'est pas très beau comme palmarès. Mais pour moi, je suis un optimiste invétéré parce que j'ai au moins l'espérance que la partie est gagnée. Pour moi, la résurrection du Christ signifie tout est joué et rien n'est joué. Vous allez me dire, c'est joué ou c'est pas joué? C'est joué, mais en l'espérance. Ça veut dire quoi en l'espérance? En l'espérance, ça veut dire si l'humanité accepte. On ne peut pas la forcer à accepter. Je ne peux pas forcer les Ukrainiens ou les Russes à faire la paix. Je ne peux pas les forcer. Ils veulent se battre. Ben, ils vont se battre. Alors, on peut prier, on peut essayer de faire ce qu'on peut. Alors, moi, c'est mon combat quotidien. Je ne baisse jamais les bras. Je ne renonce jamais à me battre. Et quotidiennement, je sais que mon combat, il porte des fruits. Quand je dis mon combat, je dis le vôtre, je dis le nôtre. C'est-à-dire que nous sommes embarqués dans une aventure dont l'issue est laissée à nos choix. C'est dramatique de savoir que mon oui et mon non conditionnent l'avenir. Et quand vous dites le bilan, difficile de faire le passif et l'actif, de tirer un trait et de dire ça fait 200 d'un côté et zéro de l'autre, ou le contraire. Dans notre histoire, il y a le meilleur et le pire. Comme en moi, il y a le meilleur et le pire. Comme en vous, il y a le meilleur et le pire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas le résultat. Et que moi, je joue chaque jour ma vie entière dans chacun de mes choix. C'est en sachant que chacun de mes choix est un tournant de l'histoire universelle. Pour moi, c'est une certitude. Chacun de mes choix est un tournant de l'histoire universelle. Et quand on me dit, et le mal, et la guerre, et ceci, et cela, je dis, moi, aujourd'hui, je donnerai tout, je mettrai tout dans la balance pour que le positif l'emporte. Et je crois que c'est comme ça que chacun devrait dire, en soi, mon choix conditionne l'avenir du monde. Mais répondre que le bilan est positif ou négatif, c'est très difficile. Ça, c'est le secret de Dieu. Bien sûr. Mais c'est une bonne réponse. Je l'apprécie. Merci. Merci. Merci Thierry. Merci Valéria. Mesdames et messieurs, c'est tout le temps qui nous reste. Merci encore une fois pour votre participation. J'aimerais terminer cette rencontre en donnant la parole au Père Boulad pour la bénédiction. Christ, vainqueur de la mort et du mal, bénis-nous, intègre-nous dans ton corps, fais-nous ressusciter avec toi, et que le feu sacré que nous avons découvert avec Simon, brûle en nous, en chacun de nous.
ce feu de l'Esprit qui nous est donné et offert gratuitement. Et moi, en son nom, je vous bénis et je vous donne sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup, Simon. Et merci, Rami et Amir et Robert. Merci beaucoup, Père Boulad. Merci encore une fois pour ces bénédictions, très cher Père Boulad. Mesdames et messieurs, ceci conclut notre rencontre d'aujourd'hui. Merci encore une fois pour votre participation. N'oubliez pas, notre prochaine conférence se tiendra le samedi 7 mai, 10h30, heure locale de Montréal. N'oubliez pas le contenu exclusif des retraites du Père Boulad, aussi le recueil « La quête du sens » qui est toujours disponible. N'oubliez pas de contacter mmacram@videotron.ca pour commander votre exemplaire et continuer à nous suivre sur Facebook ou vous pouvez aussi nous rejoindre sur henriboladonline@gmail.com. Finalement, je remercie de tout cœur Père Boulad et Simon pour cette riche rencontre qui nous aidera à mieux se préparer spirituellement pour la grande fête de Pâques. Joyeuse Pâques tout le monde et à la prochaine. Une petite histoire pour clôturer notre rencontre. C'est dans Le Christ crucifié de Nikos Kazantzakis. Si vous n'avez pas lu ce roman, il faut absolument le lire. Eh bien, un bonhomme a ramassé pendant 30 ans de l'argent pour aller au Saint-Sépulcre et célébrer Pâques. Il sort de sa maison avec le peu d'argent qu'il avait ramassé pendant 30 ans et il rencontre un pauvre sur le chemin qui lui dit « S'il te plaît, aide-moi ». Il dit « Je regrette vraiment, je suis confus, mais pendant 30 ans, j'ai trimé pour aller au Saint-Sépulcre, faire 3 tours autour du Saint-Sépulcre et puis rentrer chez moi ayant découvert ce lieu sacré. » Alors le pauvre lui dit « Écoute, fais 3 tours autour de moi, donne-moi ton argent et tu rentreras chez toi. C'est mieux que le Saint-Sépulcre. » C'est-à-dire qu'au lieu de chercher Jésus à Jérusalem, il lui dit « C'est moi, Jésus, qui ai besoin de ton argent. » Simon, tu as été remarquable. Vraiment. Et quand on dit que tu rayonnais la joie, c'est vrai ça. Et tu la rayonnes toujours. Votre conférence était fabuleuse et je vous remercie infiniment. Tout un plaisir toujours de vous écouter et d'apprendre. Merci, Amélie. Merci, Simon. C'était superbe. J'ai hâte de réécouter encore ton témoignage. C'est les enfants de la rue qui ont fait votre croix? Les enfants de la rue, je les ai devant moi sur un tableau avec leur sourire encore. Ils sont des petits Jésus partout, des pleins de petits Jésus. Voilà. Absolument, absolument. Et je remercie tous ceux qui m'aident dans ce projet qui m'est tellement cher, des enfants lâchés, abandonnés par leurs parents. Les enfants de la rue, mon père, vous avez fait le tour autour d'eux 3 fois. Ah, oui. J'ai aussi une question, Père Boulad, si vous pouvez nous aider avec ça, la communion. Est-ce que c'est vraiment, il y a les catholiques et les orthodoxes, ils disent c'est vraiment la chair et le sang de Jésus. Les protestants disent non, c'est un symbole. Et c'est pas une réalité au sens d'une quelque chose qu'on puisse constater au microscope. J'ai un ami à moi qui était médecin et qui était prêtre. Il m'a dit un jour, j'ai pris le pain consacré, l'hostie consacrée,
et je l'ai passé au microscope avant la consécration et après la consécration. Microscope électronique. Et il a constaté que rien n'avait changé dans le pain. Rien. Et donc, la présence du Christ dans l'Eucharistie n'est pas d'ordre physico-chimique, physique, matériel, constatable. Non. C'est une présence qui n'est pas... Le mot présence réelle, enfin ça demande un long développement, mais le mot présence réelle. Présence cachée, toi, Abir, maintenant. Tu es aux États-Unis et je suis au Caire. À côté de toi, dans ton appartement d'à côté, tu as une personne qui te déteste et que tu détestes. Elle frappe à ta porte. Tu n'as pas envie d'avoir et elle n'a pas envie de te voir. Il y a présence. Tu es assise dans un autobus. À côté de toi, il y a quelqu'un. Il est présent physiquement. Alors que nous, nous sommes à des dizaines de milliers de kilomètres de l'un de l'autre et nous sommes présents l'un à l'autre maintenant. Le mot présence ne signifie pas du tout présence physique, mais il y a présence réelle. Attention, ne mélangez pas entre présence physique et présence réelle. Il y a des présences physiques qui ne sont pas réelles, c'est-à-dire mon voisin de train ou d'autobus, il est présent physiquement, alors que toi et moi maintenant, nous sommes présents l'un à l'autre, alors que nous sommes à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Alors, le problème, c'est que les gens confondent entre présence physique et présence réelle. Le réel, sur le plan anthropologique ou humain, n'est pas d'ordre nécessairement physique. Et c'est là qu'il faut creuser cette idée-là. Qu'est-ce qu'on entend par présence réelle ? L'Église a trop parlé de présence réelle comme une présence physique. Non! C'est plus réel que le physique. La présence réelle est plus réelle que le physique. Et tout le problème de la théologie chrétienne, c'est que quand on l'a écrite, on n'avait pas encore découvert la philosophie personnaliste. Le personnalisme, ça change tout. Quand tu parles du Christ, vrai Dieu, vrai homme, quand tu parles présence réelle, quand tu parles d'amour, etc. Toute la dimension personnaliste de la philosophie n'a pas été intégrée dans la réflexion théologique. Et c'est catastrophique, ça. C'est pour ça qu'on se pose des questions, de fausses questions, et on passe à côté des vraies questions. Mais ça, c'est très rapidement pour dire que des tas de concepts sont mal compris, dont la présence réelle. Pour nous, réelle, ça signifie physique, alors que ce n'est pas du tout ça. Présence immatérielle. Dirait-on une présence surréelle, c'est-à-dire super-réelle? En fait, la présence suppose que je me rends présent à toi et que tu te rends présent à moi. C'est-à-dire, elle dépend de ce qu'on appelle en philosophie l'intentionnalité. Une présence, c'est je veux être présent à toi et donc je suis présent à toi. Si une souris entre dans le tabernacle qu'on a laissé ouvert par distraction et elle mange les hosties, est-ce qu'elle a communié? Pas du tout. Il y a une présence réelle.
Et c'est pas moi qui réponds comme ça. Saint Thomas d'Aquin, il y a 12 siècles, posait la question, une souris qui mange les saintes espèces, est-ce qu'elle communie? Non! Elle mange du pain. Il faut transposer la théologie dans le domaine interpersonnel. Voilà. On était pris dans un système de monde physico-chimique de type aristotélicien, alors que le personnalisme, l'existentialisme n'étaient pas encore nés. C'est un produit du XXe siècle. Et à partir de là, bien des concepts anciens s'avèrent périmés parce que on pensait les choses en termes physico-chimiques. Physique, ça veut dire réel. Réel, ça veut dire physique. Mais pas du tout. Par exemple, vous êtes tous à m'écouter. Il y a présence réelle. Un de vous s'endort pendant que je parle, ce qui est normal. Alors, il n'arrive pas. Alors, une fois que vous êtes endormi, vous êtes plus présent. Vous êtes physiquement présent peut-être, mais la présence, c'est une intention de présence. C'est une volonté de présence. C'est un acte. La présence est un acte que je fais et qui me rend présent à l'autre et par lequel l'autre se rend présent à moi. S'il ne se rend pas présent à moi, il n'y a pas rencontre. Il n'y a pas rencontre, même si on se serre les mains. C'est pour ça qu'il y a tant de rencontres qui sont complètement superficielles parce qu'on ne se rencontre pas dans un cocktail, par exemple. Vous rencontrez des gens. Ah, how are you? Nice meeting you. My name is, etc. Bon, vous serrez les mains de 50 personnes. Vous n'avez rencontré personne. Rien. D'une personne à l'autre, vous avez serré des mains, fait des sourires, distribué vos cartes de visite. Et vous dites, j'ai rencontré. Tu n'as rencontré personne. C'est un des miracles de la technologie actuelle, c'est de permettre à travers Zoom ou Skype d'avoir ce rang de rencontre à travers, au-delà des océans et des continents. C'est incroyable. Il y a 20 ans, personne n'aurait imaginé ça. On est présent, nous sommes présents les uns aux autres maintenant. Oubliez les distances, oubliez les kilomètres. Ça, c'est... Alors, quand on me demandait, est-ce que tu penses qu'il y a progrès vers cette humanité nouvelle, etc. Je dis oui, si vous voulez que je réponde, et il y a progrès réel. Maintenant, il faut y mettre le cœur. Si le cœur n'y est pas, la technologie ne remplace pas. Si je vous déteste, loin de là, mais si je vous déteste, il n'y a pas de présence. On se voit, on se parle, mais le cœur n'y est pas. Et il faut se demander, quand je rencontre quelqu'un, est-ce que le cœur y est? Est-ce que la poignée de main que je donne, elle est chaude, vraie, sincère? Est-ce que mon sourire est vrai, sincère? Est-ce que le mot que je lui dis, le bonjour, quand je lui dis bonjour monsieur, le cœur y est ou le cœur n'y est pas, etc. C'est-à-dire que, essayez de nous poser la question, de savoir, entre nous, y a-t-il présence réelle, oui ou non? Entre mari et femme, y a-t-il présence réelle? Entre un professeur et ses élèves, y a-t-il présence réelle? Alors, la question de la présence réelle dans l'Eucharistie nous aide à voir qu'est-ce qu'on entend par réel. C'est tout un monde à découvrir. Qu'est-ce que j'entends par réel? Qu'est-ce qui est réel? Pour nous, réel, c'est
ce qui se voit, ce qui se touche, etc. Les apparitions du Christ après sa résurrection, puisqu'on parle de résurrection, étaient-elles des apparitions réelles ou non? Alors, c'est toute une histoire. Je tiens juste à vous faire part d'un miracle, le miracle de Lanciano, qui s'est passé en l'an 700 à l'église Saint-François de Lanciano. Durant la consécration, le prêtre avait douté de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et justement, à ce moment-là, l'Eucharistie s'est transformé en chair et en sang. Je vous invite, j'ai mis le lien pour plus d'informations. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le lien sur Wikipédia. Sur ça, je pense qu'on va laisser Père Boulad aller se reposer. Merci encore tout le monde pour votre participation. J'ai très hâte de vous revoir à la prochaine fois. Joyeuse Pâques à tout le monde. Et merci. On se voit le samedi 7 mai, si je me trompe pas.